Le perroquet gris du Gabon, également connu sous le nom scientifique de Psittacus eritacus, est une espèce de perroquet originaire d'Afrique centrale, principalement du Gabon, mais également présent dans d'autres pays de la région tels que le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Voici quelques informations clés sur le perroquet gris du Gabon. Apparence, le perroquet gris du Gabon est un grand perroquet mesurant environ 33 à 40 cm de longueur. Il présente un plumage principalement gris avec des nuances de gris plus foncé sur les ailes et la queue. Son bec est puissant et noir, et ses yeux sont jaunes. Une caractéristique distincte est le patch de peau nue autour des yeux, qui est blanc chez les jeunes individus et devient plus pâle chez les adultes. Longévité. Le perroquet gris du Gabon est connu pour sa longévité. En captivité, il peut vivre jusqu'à 50 à 60 ans, voire plus, tandis que dans la nature, sa durée de vie est estimée à environ 40 ans. Comportement. Les perroquets gris du Gabon sont extrêmement intelligents et sociaux. Ils sont réputés pour leur capacité à imiter et reproduire une grande variété de sons, y compris la voix humaine. Ils peuvent apprendre à parler et à imiter des mots et des phrases avec une grande précision. Ils sont également connus pour leur capacité à résoudre des problèmes et à utiliser des outils. Alimentation. Le régime alimentaire du perroquet gris du Gabon se compose principalement de fruits, de graines, de noix, de bail et de légumes. Dans la nature, ils se nourrissent également de graines d'arbres et de palmiers. En captivité, il est important de leur fournir une alimentation équilibrée comprenant des fruits frais, des légumes, des graines et des compléments alimentaires appropriés. Statut de conservation. Le perroquet gris du Gabon est répertorié comme espèce en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en raison de la perte d'habitat, du commerce illégal des animaux de compagnie et de la capture pour le commerce des plumes. Des mesures de conservation sont mises en place pour protéger cette espèce, notamment des efforts visant à lutter contre le commerce illégal et à promouvoir la conservation des habitats naturels. Intelligence et capacité d'apprentissage, le perroquet gris du Gabon est considéré comme l'un des perroquets les plus intelligents et doués pour l'apprentissage. Ils ont une grande capacité d'imitation et peuvent reproduire des sons complexes, y compris des mots, des phrases et même des mélodies. Ils sont également capables de comprendre et de répondre à des commandes et à des interactions avec leurs propriétaires.
Comportement social. Les perroquets gris du Gabon sont des oiseaux sociaux qui aiment interagir avec leurs congénères et avec les humains. Ils ont besoin d'une stimulation mentale et sociale régulière pour être heureux et épanouis. Ils peuvent développer des liens étroits avec leurs propriétaires et demandent une attention et une interaction régulière. Besoins en matière de logement. Les perroquets gris du Gabon nécessitent une grande cage spacieuse pour se déplacer et étendre leurs ailes. Ils doivent également disposer de jouets, de perchoirs et d'accessoires pour les divertir et les stimuler mentalement. En dehors de la cage, ils devraient bénéficier de temps de jeu et d'interactions supervisées. En tant qu'animaux de compagnie, les perroquets gris du Gabon peuvent faire d'excellents animaux de compagnie pour les personnes prêtes à leur consacrer du temps, de l'attention et des soins appropriés. Cependant, il est important de noter que leur longévité et leur intelligence signifient qu'ils nécessitent un engagement à long terme. Ils peuvent également être bruyants et exigeants, et ont besoin d'une stimulation mentale constante pour éviter l'ennui et les comportements indésirables. Protection et conservation. En raison de la demande élevée pour les perroquets gris du Gabon en tant qu'animaux de compagnie, le commerce illégal et la capture de spécimens sauvages représentent une menace pour la population sauvage de cette espèce. Des mesures de protection et de conservation sont en place pour lutter contre le commerce illégal et pour promouvoir l'élevage en captivité afin de réduire la pression sur les populations sauvages. Il est recommandé de se renseigner davantage sur les besoins spécifiques des perroquets gris du Gabon avant d'envisager d'en adopter un comme animal de compagnie. Il est également important de se conformer aux réglementations locales concernant la possession et le commerce de cette espèce.
perroquet gris du Gabon est principalement présent dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale. Il se trouve dans les zones boisées, les lisières de forêt, les clairières et les mangroves. Ces perroquets sont adaptés à vivre dans des environnements forestiers denses et sont souvent observés dans les canopées des arbres. Il est important de souligner que le perroquet gris du Gabon est une espèce sauvage protégée dans de nombreux pays. Avant d'envisager d'en adopter un comme animal de compagnie, il est essentiel de vérifier les lois et les réglementations locales concernant la possession et le commerce de ces oiseaux. Il est également recommandé de soutenir les efforts de conservation et de favoriser l'élevage en captivité plutôt que l'acquisition de spécimens sauvages. Reproduction, les perroquets gris du Gabon atteignent leur maturité sexuelle entre 4 et 7 ans. Ils sont monogames et forment des couples à long terme. La femelle pond généralement 2 à 4 œufs dans un trou d'arbre creux ou une cavité naturelle. L'incubation dure environ 28 jours et les deux parents participent à l'incubation et aux soins des jeunes. Les perroquets gris du Gabon sont connus pour leur capacité à imiter et à reproduire une large gamme de sons, y compris les voix humaines, les bruits environnants et les appels d'autres oiseaux. Ils utilisent ces vocalisations pour communiquer entre eux, marquer leur territoire et exprimer des émotions. Il est important de noter que le perroquet gris du Gabon est un animal intelligent et exigeant qui nécessite des soins appropriés et un environnement stimulant pour s'épanouir. Si vous envisagez d'en adopter un comme animal de compagnie,
il est recommandé de faire des recherches approfondies et de vous assurer que vous êtes prêt à répondre à ses besoins spécifiques en matière de soins, d'alimentation et de stimulation mentale. Le gris du Gabon, comment élever ce perroquet à la maison? Le gris du Gabon est un perroquet au plumage gris, comme son l'indique, et très prisé des particuliers. Sociable, affectueux, intelligent et curieux, il est l'espèce la plus bavarde et est capable de répéter les mots que vous lui apprenez tout en les replaçant dans le bon contexte. Parfait pour la vie de famille, il peut être facilement éduqué. Le gris du Gabon mesure 35 à 42 cm pour un poids moyen de 500 g. Grand parleur, il est aussi très intelligent et curieux. Très sociable, il a besoin d'interactions au quotidien pour se sentir bien. Il apprend vite à répéter les mots que vous lui direz et les sons qui l'entourent, comme les aboiements des chiens, la sonnerie de la porte d'entrée ou du téléphone, mais aussi le sifflement de certaines chansons. Il est capable de resituer les mots qu'il prononce dans le bon contexte, raison pour laquelle on parle d'intelligence et non de répétition pure. Très affectueux, cet animal apprécie de vivre au milieu de la vie de la famille et déteste la solitude. Cette dernière peut le mener à la dépression. Ainsi, si vous vous absentez, n'hésitez pas à lui laisser une télévision allumée ou la radio. En entendant les voix humaines, il pensera que quelqu'un est présent à la maison et se sentira mieux. Pensez à toujours adopter un oiseau âgé d'au moins 4 mois et bagué à la patte. Celle-ci doit contenir toutes les informations relatives à son identité, sa date de naissance, l'identifiant de l'éleveur, etc.
Vous devez également conserver tous les documents liés à son origine et la preuve de votre achat afin d'être en règle avec la loi, car le gris du Gabon est une espèce protégée dont chaque individu vendu doit être identifié. Comment élever un perroquet gris du Gabon à la maison? L'arrivée de votre nouvel oiseau chez vous est un moment très important pour lui comme pour vous. Le stress est bien souvent au rendez-vous et l'oiseau peut être perturbé par ces changements de lieu, de personne, de bruit et d'odeur. La majorité des gris du Gabon sont adoptés à l'âge de 4 à 6 mois. Veillez à le transporter dans une cage de transport adaptée que vous ouvrirez en douceur une fois arrivé. Placez l'oiseau dans sa nouvelle cage avec précaution s'il est jeune. Si vous adoptez un animal plus âgé, placez le carton de transport ouvert dans la cage et laissez-le sortir seul dès qu'il le souhaitera. N'hésitez pas à lui parler souvent et calmement pour bien le rassurer. Il a besoin d'apprendre à vous connaître pour vous faire pleinement confiance. Au début, il est préférable qu'une seule personne se charge de ses soins, de son alimentation et de ses caresses afin qu'il se sente en sécurité. Vous pourrez lui présenter les autres membres de votre foyer ultérieurement, lorsqu'il aura pris ses aises. Apportez-lui chaque jour de l'eau fraîche et ses repas, parlez-lui et caressez-le délicatement. Il aime le contact, mais ne le forcez pas s'il a besoin de temps pour se laisser toucher. Au cours des 10 premiers jours,
ne cherchez pas à le faire sortir ni à l'attraper dans vos mains ou vos bras. Il a besoin de temps pour appréhender son nouvel environnement et s'adapter à sa nouvelle famille. Au bout de 10 jours, si votre oiseau a pris ses aises, vous pouvez ouvrir sa cage et le laisser sortir. Assurez-vous au préalable que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées. Laissez-le sortir de lui-même, sans le forcer, mais vous pouvez l'encourager et le rassurer en lui parlant et en jouant. Restez toujours à proximité lorsqu'il sort, car votre mobilier, vos bibelots et vos plantes peuvent présenter un danger pour cet animal curieux. Éduquez-le pour qu'il apprenne à bien se comporter et remettez-le dans sa cage s'il vous désobéit en l'attirant avec une friandise ou un jouet. En revanche, inutile de vous montrer violent ou de lui crier dessus. Restez doux. La cage doit être prête avant l'arrivée de votre perroquet. Placez-la dans un espace agréable et vivant, comme un séjour, car cet oiseau est très sociable et aime participer à la vie de famille. Évitez en revanche un emplacement en courant d'air et proche d'une fenêtre pour ne pas avoir de lumière directe. Évitez également la cuisine à cause de la fumée, ses poumons sont fragiles ainsi que les chambres, trop silencieuses. Sa cage doit être grande, compte tenu de sa taille, afin qu'il puisse aisément étendre ses ailes et voler un peu, car il est assez dynamique et aime bouger. Choisissez-la solide et robuste, avec un système d'ouverture complexe, car il apprend rapidement à l'ouvrir pour en sortir grâce à son bec puissant. Installez-lui des petits jouets en bois pour qu'il s'amuse et un petit miroir, car il aimera s'y regarder. Renouvelez-les de temps en temps pour éviter la routine. Aménagez des perchoirs de taille et de diamètre différents pour qu'il se sente à son aise selon ses préférences. Choisissez-les en bois naturel pour qu'il puisse y frotter son bec. Thank you.
Les mangeoires doivent être solides, en terre cuite ou en inox, et posées en fond de cage ou accrochées aux barreaux, à condition de ne pas les installer sous les perchoirs pour éviter les fientes. Évitez tous les accessoires en plastique, trop fragiles par rapport à sa force. Votre oiseau appréciera de se baigner une fois par semaine. Vous pouvez le placer dans un lavabo ou une baignoire et le laisser faire trempette en toute liberté, mais sous votre surveillance. Une alimentation de qualité. Votre perroquet gris du Gabon a besoin d'une nourriture de qualité et bien équilibrée. Préférez les mélanges pour psittacidés, disponibles chez les éleveurs et dans les enseignes spécialisées. Certains mélanges de graines vendus dans le commerce peuvent suffire temporairement, mais ils sont souvent trop riches en graisse. Votre oiseau risque de trier les graines qu'il préfère, de grossir et ou de se créer des carences nutritionnelles à terme. Vous trouverez des aliments extrudés parfaitement équilibrés pour nourrir votre animal. Complétez-les de fruits frais plusieurs fois par semaine. N'hésitez pas également à lui offrir une petite friandise de temps en temps, comme des fruits secs ou des barres de céréales. Agrémenter son régime d'une pierre minérale. Celle-ci sera une source de calcium et de minéraux indispensables au bien-être de votre oiseau. Chaque jour, lavez ses gamelles et versez-lui de l'eau fraîche, et pas froide, et renouvelez-la plusieurs fois dans la journée si nécessaire. Une fois par semaine, versez dans son eau un complexe de vitamines pour pallier tout risque de carence et préserver la beauté de son plumage.
La reproduction du gris du Gabon, le gris du Gabon est fidèle. Lorsqu'il forme un couple à l'état sauvage, il aménage un tronc en hauteur pour y vivre avec son compagnon ou sa compagne et donner vie à leurs petits. Une femelle pond 3 à 4 œufs par ponte qui vont éclore après 28 jours d'incubation. Les petits naissent sans plumes et les yeux fermés. Ils seront nourris par leurs parents pendant environ 3 mois, jusqu'à l'adolescence. Ils achèvent ensuite leur apprentissage et quittent leurs parents pour se trouver une compagne ou un compagnon de vie. Le gris du Gabon et le langage. Si vous voulez que votre perroquet parle, vous devrez vous-même lui parler régulièrement et veiller à utiliser les mêmes mots. Ceci permettra à l'animal de se familiariser avec votre vocabulaire et de répéter vos propos sans difficulté. Montrez-vous toujours patient, doux et attentif. Ne le forcez pas et ne le brusquez pas. Votre oiseau vous parlera lorsqu'il se sentira en pleine confiance et lorsqu'il décidera que c'est le bon moment. Si vous le stressez, il se renfermera sur lui-même et vos relations en pâtiront.